Bonjour et bienvenue. Dans cet exercice, on a f et g, deux fonctions définies par g de x égale à racine de x moins 2 et f de x égale à moins x carré plus 4x moins 2. Donnez le tableau de variation de f et de g. D'abord, un petit rappel pour ce qui concerne le tableau de variation d'une fonction qui s'écrit sous la forme racine de x plus a. Donc, si vous avez une fonction qui s'écrit sous la forme x plus a, cette fonction est toujours définie sur moins a plus l'infini et les variations de f c'est toujours croissante. Toujours l'image de moins a c'est 0. Et pour la fonction qui est sous la, qui est sous la forme ax plus bx plus c, si vous avez a négatif, ce qui est le cas ici dans cet exercice, alors vous avez toujours la fonction est décroissante puis est euh, croissante puis décroissante croissante puis décroissante. Sur quel intervalle Sur moins l'infini, moins b sur 2a et décroissante sur moins, moins b sur 2a euh, plus l'infini. écrit on écrit x et ici, on écrit f de x ou bien les variations de x. Euh, ici, on écrit l'image de f de moins b sur 2a. D'accord Alors euh, maintenant, vous pouvez appuyer sur pause et essayer de répondre à la première question. Alors, Passons maintenant à la correction de la première question. On a g de x. d de g, bien évidemment, c'est l'intervalle moins moins 2, ça veut dire 2 plus l'infini. Alors, g, c'est une fonction croissante sur son domaine de définition. Alors, sur 2 plus l'infini, on a la fonction est croissante. Toujours 1, hein, quel que soit le. Quel que soit le, 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 le le nombre a ici. Alors ici, il g de x. Alors l'image de, de 2, c'est 0. Et voilà. Euh, maintenant, on passe à, à D, df. df, le domaine de définition de la fonction f. Donc df est une fonction polynomiale du second degré. Alors il est défini sur R. Alors pour son tableau de variation, on a a c-1, b c4, c c-2. Alors pour le tableau de variation, c'est simple. Donc il suffit d'appliquer. On a x moins l'infini. Moins b sur 2a, nous pouvons la calculer à côté. Moins b sur 2a, ça fait moins 4 sur 2 fois moins 1. Donc ça fait 2. Avec une calculatrice, vous pouvez facilement trouver le résultat. Donc sur moins l'infini 2, la fonction est croissante. Sur 2 plus l'infini, la fonction est décroissante. Ici, on écrit f de x. Et euh, on a besoin de calculer l'image de 2. Donc f de 2. F de 2. C'est moins 2 au carré. Bien sûr, entre parenthèses. Euh, plus, euh, plus 4 fois moins 2. Moins 2. Euh, pardon, c'est pas moins 2, mais c'est 2. Hein. Ici, on a 4 fois 2. Voilà. 4 fois 2. Puisque euh, on, on cherche à, à, à calculer l'image de 2. Alors ça fait moins 4. Euh, plus 8, moins 2. Donc au total, ça fait 2. Donc l'image de 2, c'est 2. Très bien. Maintenant, tracer euh, dans un repère orthonormé les courbes de CF et de CG. Alors euh, pour, pour nous, euh, la courbe de, de CG, on a besoin de quelques, de quelques valeurs. Par exemple, on cherche à calculer l'image de 2, de 2 c'est déjà euh, 0. Nous pouvons utiliser une calculatrice ou, pouvons, euh, ou bien nous pouvons prendre à, à la main quelques valeurs. Par exemple, euh, on cherche toujours à, à trouver des, des, des valeurs qui sont euh, des carrés parfaits sous la racine pour euh, retrouver des nombres entiers euh, naturels. Alors par exemple, l'image de 2 c'est 0, l'image de, de, de 3, euh, ça, donne, ça, donne, ça donne 3 moins 2 sous la racine, c'est-à-dire racine de 1, ça fait 1. Euh, alors euh, l'image de 4 ça donne 4 moins 2 ça fait racine de 2 c'est pas, pas intéressant pour nous parce qu'il y aura des, des virgules une virgule alors euh, je, cherche, euh, je cherche 9 donc 9 euh, s'obtient de, de 11 moins, moins 2 donc 11 11 moins 2 ça donne 9 racine 9 c'est 3 donc euh, je me contente de ça euh, et voilà de ces trois points pour, pour calculer ou bien pour euh, tracer la courbe alors, je prends seulement ces trois valeurs, donc c'est suffisant pour moi. Euh, alors, euh, donc je vais tracer dans un dans un même repère, d'accord. Alors, je prends le repère euh, ordonné, voilà. Donc c'est l'axe des abscisses. Puis je prends l'axe des ordonnées. Alors ici on a euh, un bien bien i, d'accord. ici c'est j, voilà. Ici sera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'ai besoin de 11 parce que j'ai prené l'image de 11. Alors si 1, 1, 2. Donc ici c'est 1, 2, 3. Donc je vais tracer maintenant euh, l'image de 2. On a dit que c'est 0. Donc l'image de 2 c'est 0. Donc notre euh, courbe va commencer euh, par euh, ce point-là. L'image de 3, ça fait 1. Donc ici 1, donc 3, 1. Voilà, 3. Et l'image, c'est 1. Et pour l'image de 11, euh... alors 11, c'est 3. Voilà. Et voilà. Donc euh, je trace comme ça notre courbe. Voilà, ça c'est. CG. Maintenant, je vais chercher euh, CF. Donc, CF, euh, déjà, euh, CF est, un, est une parabole. Donc, CF est une parabole. CF. Donc, je décris euh, le, 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 et la parabole. La parabole. <coughs> de sommet. 2 2 de sommet 2 2 et d'axe de symétrie et d'axe de symétrie x égale, pardon x égale à 2. Donc je trace d'abord euh, le sommet donc 2 euh, 2 pour euh, pour euh, le sommet. Ça c'est S le sommet et pour euh, pour euh, l'axe de symétrie, donc je vais le tracer avec une autre couleur. Donc ça, c'est l'axe de symétrie. X égale à 2. Ça, c'est x égale à 2. Parce que ça, c'est l'axe des x et ça, c'est l'axe des y. Voilà. Donc je prends euh, quelques valeurs. Par exemple, l'image de 3. Donc je cherche l'image de 3. Et l'image de 4. Donc l'image de 3, ça fait moins 3 au carré. C'est moins 9. 3 fois 4, ça fait 12. 12, euh, moins 9. 12 moins 9, ça fait 3. 3 moins 2, ça fait 1. Donc l'image de 3, ça fait 1. Donc il va passer par ce point. Notre courbe, bien sûr. Et l'image de 4, l'image de 4, alors moins 4 au carré, ça fait moins 16. 4 fois 4, ça fait 16, donc c'est moins 2. Donc c'est moins, moins 16 plus 16, ça fait 0. Moins 2, ça fait moins 2. Donc l'image de 4, c'est moins 2. Donc, euh, je cherche moins 2. Ça, c'est moins 1, moins 2. Donc, voilà. Il va passer par ce point. Donc, euh, la partie à droite de l'axe, elle est comme ça. Et la partie à gauche, on a le symétri euh, une symétrie axiale. Donc, l'image de ce point, par la symétrie axiale d'axe de de, x égale à 2, c'est ce point-là. 1, 2, 1, 1. Voilà. Et l'image de ce point-là, elle est là. Donc, il va couper l'axe des ordonnées. Au point euh, 0 au point 0 moins 2 parce que l'image de 0 bien sûr est c moins 2 ça c'est cf et voilà passons maintenant à la question suivante la question suivante c'est de déduire graphiquement le signe de euh, racine de x plus euh, moins 2 plus x carré moins 4x plus 2 sur l'intervalle de plus l'infini alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire, ça Donc, euh, déduire le signe de cette expression. Alors, la troisième question. On déduit... On déduit le signe... de racine x moins 2 plus x carré moins 4x plus 2. Alors... Si vous remarquez bien que cette expression-là, ce n'est que g de x. Alors, c'est-à-dire, on, on a, on remarque que g de x moins f de x, ça c'est une remarque, hein. on remarque que g de x moins f de x est égal à racine de x plus 2, pardon, à racine de x moins 2 moins. Entre parenthèses, moins x carré. Parce que c'est f de x, c'est moins x carré plus 4x plus 2. Moins 2. Plus 4x, moins 2. Qui est égal à racine de x moins 2 plus x carré. Parce que je vais changer le signe des termes qui sont entre parenthèses plus 2. Donc, qu'est-ce qu que ça veut dire ça Ça veut dire que la courbe de g est, est, est au-dessus de la courbe de f. Donc, sur l'intervalle. Sur l'intervalle. 2 plus l'infini 2 plus l'infini voilà sur l'intervalle 2 plus l'infini vous voyez on a la courbe de f sur l'intervalle de 3 la courbe de, de g sur l'intervalle de 3 la courbe de g est en dessous de la courbe de f ça veut dire que g de x moins f de xc c'est négatif donc, alors, quel que soit x appartient à 2, 3, 1, 2, 3, cg en dessous de cf. Vous voyez, cg est en dessous de cf sur l'intervalle de 3. alors, Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça c'est graphiquement. Algébriquement ça veut dire quoi Ça veut dire g de x moins f de x, c'est négatif. Donc, d'où racine de x moins 2 plus x carré moins 4x plus 2, c'est négatif. Et quel que soit x appartient à 3 plus l'infini. On a cg. Quelle est la position de cg par rapport à cf c'est g et au-dessus de Cf. C'est de g au-dessus de Cf. Alors, g, euh, algébriquement, ça veut dire quoi Ça veut dire g de x moins f de x, c'est positif. Donc, racine de x moins 2 plus x carré moins 4x plus 2 est supérieur ou égal à 0. Et voilà, on a terminé cette première partie. Pour cette deuxième partie de l'exercice 4, soit h défini sur r par h de x égale à 3 moins 2x plus 4 racine de x moins 2 sur x moins 2 avec x supérieur strictement à 2 et h de x égale à x à la puissance 3 sur 4. Avec x inférieur ou égal à 2. Vérifiez que quel que soit x supérieur ou euh, strictement à 2, c'est-à-dire x appartient à 2 plus l'infini, h de x c'est f de 1 sur racine de x moins 2. Alors il suffit de d'écrire, de, 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 de remplacer. Donc c'est une question assez simple. Alors euh, soit je prends soit x supérieur strictement à 0, supérieur strictement à 2. Alors f. Euh, de 1 sur racine de x moins 2. Donc je reviens à l'expression de f. Alors f de x dans l'exercice c'est moins x carré plus 4x moins 2. Alors c'est moins x carré plus 4x moins 2. Donc j'écris 1 sur racine x moins 2 entre parenthèses. Et je calcule. Alors ça fait moins 1 sur racine de x moins 2 le tout au carré. Plus 4 sur racine de x moins 2 moins 2. Donc ça fait moins 1 sur x moins 2. Plus 4 sur racine de x moins 2 moins 2. Alors euh, je peux... Regardez très bien que h de x au dénominateur on a x moins 2 donc euh, il sera utile d'essayer de, 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 lever, de lever ici au carré mais il suffit de multiplier le dénominateur de deuxième terme par racine de x moins 2 donc c'est moins 1 sur x moins 2 plus 4 fois racine de x moins 2 sur racine de x moins 2 fois racine de x moins 2 c'est racine de x moins 2 au, euh, au carré moins 2, facteur de x moins 2 sur x moins 2. Donc j'ai réduit au même dénominateur qui est x moins 2. Donc il me reste ici moins 1. Ici j'aurai 4 racines de x moins 2. Et ici moins 2x. Moins 2 fois moins 2, c'est plus 4. Parce qu'ici on a une, un développement avec moins 2 qui est négatif. Alors je simplifie. Donc il me reste quoi Il me reste... Euh 4 moins 1, ça fait 3. Moins 2x. Plus 4. Racine de x moins 2 sur x moins 2. Effectivement, c'est h de x. C'est h de x. Avec x supérieur strictement à 2. D'accord Donc c'est cette expression-là. Montrez que h est majoré par 2 sur 2 plus l'infini. Montrez que h est majoré par 2 sur... 2 plus l'infini. Alors pour montrer que h est majoré par 2, il suffit de montrer ça. Donc pour montrer que h est majoré par 2 sur 2 plus l'infini, c'est-à-dire pour montrer que h est majoré par moins 2, c'est-à-dire quel que soit x appartient à 2 plus l'infini, h de x est inférieur à 2. Donc il suffit de calculer la différence. Donc on a h de x moins 2 égale. L'expression qu'on a sur h sur l'intervalle 2 plus l'infini, c'est 3 moins 2x plus 4. Racine x moins 2 sur x moins 2 moins 2. Donc je développe. Ou eh bien je réduis au même dénominateur qui est x moins 2. Donc, je laisse le premier numérateur tel qu'il est. Plus 4 racine x moins 2. Moins, et je multiplie le moins 2 par le dénominateur que j'ai déjà, qui est x moins 2. Alors, c'est x moins 2. Donc, je développe ici. Ça fait 3 moins 2x plus 4 racine x moins 2. Moins 2x plus 4. Alors, ça fait... Moins 2x moins 2x, ça fait moins 4x. Et 3 plus, 7, ça fait 3 plus 4, ça fait 7. Alors, 7 moins 4x plus 4 racine x moins 2 sur x moins 2. Alors ici, nous devons calculer le signe de cette expression. Il suffit de montrer que cette expression est négative. Alors. Euh avec un, un encadrement on a x moins 2 c'est déjà positif parce que x appartient à 2 plus l'infini donc euh, moins 4x c'est négatif donc euh, c'est donc pas évident de montrer que ça c'est négatif donc alors euh, il faut il faut multiplier par, par un, un conjugué il suffit de multiplier par un conjugué comment ça alors, euh, parce que x est supérieur strictement à 2, si je multiplie par 4x, ça devient supérieur strictement à 8. Alors, moins 4x, ça devient inférieur à moins 8. Si j'ajoute si euh, 7, alors 7 moins 4x est inférieur à 7 moins 8, ça veut dire 7 moins 4x est inférieur à moins 1. Donc c'est négatif. Négatif plus 1 positif, alors, je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est positif ou négatif donc la solution ici, c'est dans la multiplication par le conjugué pour que je trouve un moins ici devant le, le 4 et que je sois sûr que toute l'expression est négative. Alors je multiplie par le conjugué, donc c'est moins, 7 moins 4x entre parenthèses au carré moins euh, 4 racines de x moins 2, le tout au carré, parce que j'ai multiplié par le conjugué. Donc j'obtiens une identité remarquable. Au dénominateur, je trouve x moins 2, multiplié par le conjugué, qui est 7 moins 4x moins 4, racine de x moins 2. Donc, je suis sûr que cette expression-là est négative. C'est bon Alors, elle est négative. Alors, x moins 2, c'est positif, mais je vais simplifier l'expression au numérateur. Donc, c'est une identité remarquable. 7 au carré, ça fait 49. Moins 2 fois 7, ça fait 14 fois euh, 4. Ça fait 56x parce que 7 fois 4 ça fait 28. 28 fois 2 c'est 56. 56x plus 4x au carré ça fait 16x au carré donc ça fait 16 16x au carré moins 16 multiplié par x moins 2. Voilà et je me divise par x moins 2 facteur de 7 moins 4x. 4 racines de x moins 2. Alors je simplifie au maximum. Donc je trouve quoi Je trouve 49 moins 56x moins 16x après le développement ici plus 16x carré plus 32. Moins 16 fois moins 2 ça fait 32. Alors je divise le tout par x moins 2 facteur de 7 moins 4x moins 4 racines. De x moins 2. Donc ça fait. Euh, donc euh, je simplifie le numérateur. 16x carré. Moins, moins 56x moins 16x. Ça fait, donc 6 plus 6 ça fait euh, 12. 7. Donc c'est moins 72x. Euh, 49 plus 49 plus 32 ça fait 11. C'est. 81 sur x moins 2 facteur de 7 moins 4x moins 4 racine de x moins 2. L'expression que j'ai au numérateur, je peux, je peux calculer le discriminant delta. Donc je trouve que c'est pour les, pour les nombres qui sont supérieurs à 2. Hein, pour x supérieur à 2. Ça c'est euh, positif, hein, le, le numérateur. Mais comment, comment je détermine que c'est positif? En utilisant bien sûr euh, le signe du numérateur. C'est un, un polynôme de second degré. Il suffit de calculer delta. Alors il, il suffit de discuter. Alors delta, pour nous, pour le numérateur. Alors, euh, je dois discuter le signe de, de 16x carré. Donc, euh, ça fait euh, euh, moins b Donc b ça fait 72.

alors pour nos delta c'est négatif, alors l'expression est toujours positive parce que le 16 est positif. Donc pour le signe de notre expression, et donc il s'annule en un seul point qui est moins b sur 2a. Donc il s'annule effectivement en 1. D'accord Il s'annule en 1, je pense. Euh, 2. Non, en 2. Il s'annule en 2. Parce que moins b sur 2a, ça fait 72 sur 32 c'est 2, donc il s'annule en 2 il est toujours positif c'est quoi c'est 16 carré moins 72 plus 80 voilà, cette expression est toujours positive le signe de cette expression dépend de delta, parce que delta c'est toujours 0 hein. delta c'est 0, c'est pas toujours 0, mais c'est 0 dans ce cas là alors euh, l'expression que j'ai trouvée est négative, parce que cette expression là, qui est négative qui contrôle bien qui, qui, qui détermine le signe de toute la toute caution parce que le numérateur positif, ici x plus 2, ça c'est positif, ça c'est positif, mais cette expression là c'est négatif. Alors positif, positif sur un négatif, c'est négatif, donc, donc le résultat final, donc h de x est inférieur à 2, c'est-à-dire h est minoré. Pardon H est majoré par 2. Donc H est majoré. H est majoré par 2. Étudiant la monotonie. Alors la question c'est étudiant la monotonie de H. Étudiant la monotonie de H sur 9 sur 4 plus l'infini. Et sur 2, 9 sur 4. Une petite remarque qu'il faut faire, c'est que h de x est égal à f de 1 sur racine de x moins 2. En fait, c'est comme si vous avez f de g de x. F de 1 sur g de x f de 1 sur g de x. Parce que g de x, c'est la fonction racine x moins 2. D'accord Ça c'est quoi Ça c'est euh, f de mx avec mx, c'est 1 sur g de x. C'est la première. La première euh, remarque. On sait maintenant, donc, il faut déjà tracer le tableau de variation de g devant vous, le de, 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 de tableau de variation de f, qui est, d'après les, les questions précédentes, croissante sur moins 2, moins l'infini 2, et décroissante sur 2 plus l'infini. Ça, c'est le tableau de variation de la fonction f. Pour le tableau de, va de variation de la fonction m, on a besoin d'utiliser le tableau de variation de la fonction g. Alors, pour nous, la fonction g, elle est définie sur 2 plus l'infini. Elle est croissante, d'accord Elle est croissante sur 2 plus l'infini. L'image de 2, c'est 0. Mais pour la fonction m de x, c'est l'inverse de g. Ça veut dire que g n'est pas défini en 2 parce que le dénominateur ne doit pas être égal à 0 au dénominateur. Donc le 0 ne doit pas être au dénominateur. Si la fonction g était croissante, notre fonction m, qui est l'inverse de g, sera décroissante. Et au, euh, au voisinage de l'infini, on trouvera le 0. D'accord Bien. Donc maintenant, le tableau est devant nous qui va être très utile pour étudier la monotonie de F en M. Alors, H, ce n'est que F en M. C'est bon Alors, pour étudier la fonction, la monotonie de H sur 9 sur 4 plus l'infini, on doit d'abord commencer par la monotonie de la fonction M comment il est la monotonie de m sur 9 sur 4 plus l'infini. Alors, notre fonction m, bien sûr, elle est décroissante sur 9 sur 4 plus l'infini. L'image de 9 sur 4, c'est 2. Alors, elle est décroissante sur 9 sur 4 plus l'infini. Maintenant, on va calculer l'image... De 9 sur 4 plus l'infini par la fonction m de 9 sur 4 plus l'infini. C'est-à-dire l'image de l'intervalle 9 sur 4 plus l'infini par la fonction m. D'après le tableau, c'est 0 2. Parce qu'on commence toujours par la valeur la plus petite, qui est 0, et puis 2 le plus, la plus grande. Cette valeur-là, cet intervalle-là est inclus dans moins l'infini 2. On passe maintenant à la fonction, à la fonction. H, F est F maintenant. Donc, comment il est la fonction F sur l'intervalle moins l'infini 2 F, bien sûr, elle est croissante. Elle est croissante sur moins l'infini 2. Donc, M est décroissante, F est croissante. Donc, H qui F en M et décroissante décroissante sur décroissante sur l'intervalle 9 sur 4 plus l'infini c'est bon donc je passe maintenant à l'autre intervalle qui est l'intervalle de 9 sur 4 de la même manière on commence toujours par m. m comment il est m sur l'intervalle 2, 9 sur 4. Il est décroissante. On a M est décroissante sur 2 9 sur 4. Je passe maintenant à l'image de 2 9 sur 4. Par la fonction M. D'après le tableau, notre fonction M donne l'image de l'intervalle 9, 2, 9 sur 4. C'est un intervalle qui commence par 2 et il euh, monte ici. On a plus l'infini. Hein. On a ici plus l'infini. Mais on va dire que c'est inclus dans 2 plus l'infini. Parce qu'il y a une, une, une valeur qui est plus grande que 2. Ici, ici peut-être 3, peut-être 4, on ne sait pas. Mais euh, puisque nous n'avons pas encore fait le cours des limites, alors on va dire tout simplement que cette image, bien que cette image, elle est elle est inclus dans 2 plus l'infini. D'accord Et ça c'est notre, notre nouvel intervalle, nouveau intervalle J. Donc maintenant, f, comment il est sur l'intervalle J F et décroissante sur 2 plus l'infini et décroissante et décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Idem donc h puisque la m est décroissante et f est décroissante, on a la même monotonie donc h est croissante. h est croissante sur 2 9 sur 4 et voilà on a terminé cet exercice j'espère que vous avez compris si vous êtes nouveau dans cette chaîne n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime à bientôt